Bonsoir à tous pour cette rencontre de la deuxième journée de Ligue 1, qui va opposer le FC Nantes et l'Olympique de Marseille. Terrassés à domicile, en ouverture de la saison, les Phocéens n'ont déjà plus le droit à l'erreur. Pas sûr que la tâche sera plus simple, ce soir, face aux Canaries de Christian Courcuff, le technicien faisant ses débuts à la Beaujoire dans sa nouvelle équipe. Luiz Gustavo, footballeur international brésilien évoluant au poste de milieu défensif à l'Olympique de Marseille. Il peut également jouer au poste de défenseur central. Gustavo, au mercato, quitte le club. Le 2 septembre 2019, il signe un contrat de 4 ans avec le club de Fenerbahçe en Turquie. Alvaro González est un footballeur espagnol qui évolue au poste de défenseur central à l'Olympique de Marseille depuis 2019, prêté par le Villarreal. Morgan Sanson, footballeur français, évolue au poste de milieu de terrain au sein de l'Olympique de Marseille depuis 2017. Dario Benedetto, footballeur international argentin qui évolue au poste d'attaque. Arrivé le 5 août 2019, il s'engage officiellement pour 4 saisons en faveur de l'Olympique de Marseille. Le montant du transfert s'élève à 14 millions d'euros. Đurđ Kalitakar est un footballeur international croate. Il évolue au poste de défenseur central. Le 20 juillet 2018, il s'engage pour 5 saisons avec l'Olympique de Marseille, pour un transfert estimé à 19 millions d'euros. Bah, tu l'as bien, Christelle, hein ? Jordan Amavi, footballeur français, évolue au poste de défenseur. Dario Benedetto est loué pour sa combativité. Il peut jouer en tant que renard des surfaces et également sur le côté, en tant qu'allié. Rapide et technique, il s'est reculé pour venir chercher des ballons.
Boubacar Camara, footballeur français qui évolue au poste de défenseur et milieu de terrain. Né à Marseille, il intègre le centre de formation de l'Olympique en 2005 à l'âge de 6 ans. Il débute la saison 2018-2019 en tant que titulaire en défense centrale aux côtés de Luis Gustavo puis d'Adil Rami. On ne présente plus Steve Mandanda, El Fenomeno. Il est le joueur le plus capé de l'Olympique de Marseille, dont il est le capitaine de 2010 à 2016 et depuis l'été 2019. Avec ce club, il remporte la Ligue 1 en 2010, ainsi que 2 trophées des champions, 3 coupes de la Ligue. Il est également élu meilleur gardien de la Ligue 1 à 5 reprises. Avec l'équipe de France, il est sélectionné pour disputer l'Euro et la Coupe du Monde en 2010 et 2018 qu'il remporte. Bouna Sarr, né à Lyon, est un footballeur franco-guinéen jouant auparavant au poste de milieu de terrain offensif, reconverti en arrière-droit. Hiroki Sakai est un footballeur international japonais évoluant au poste d'arrière droit. Il rejoint l'Olympique de Marseille en juin 2016. Il est élu meilleur joueur de la saison 2018-2019 par les supporters marseillais pour ses excellentes prestations. Dimitri Payet, footballeur international français qui évolue au poste de meneur de jeu. Il signe officiellement le 3 juillet 2013 avec l'Olympique de Marseille. En 2015, il part pour l'Angleterre à West Ham et revient en 2017. Le gouvernement et la LFP ont décidé de sévir contre les injures homophobes proférées dans les stades, une politique mal vécue par certains supporters. Cette sévérité provoque la colère pour ces habitués des tribunes. Cette fermeté ne serait qu'un levier pour réduire leur liberté d'expression dans un contexte de relations tendues avec les pouvoirs publics. Saison 2018-2019, l'OM a manqué le coche et payé le prix d'une politique de recrutement et d'un coaching défaillant. Depuis l'arrivée de Frank McCourt, les deux groupes de supporters multiplient les revendications.